Destin du CGT, ou bienvenue sur l'éternel du Conseil Galactique Temporel. Je fais des frites aux trois patates. Du tartare, tu sais pas, tartare maison, comme ça. Mais j'étais super content. Bah, alors, il y avait un mec, en fait, tu savais pas au départ. Il a dit, j'ai arrêté de fumer à 53 ans. Le mec, il a 76 ans. Bon, j'ai dit, tu veux que je te filme? Non, je m'en bats les couilles. Normal. Il me dit, putain, je bois pas, je fume pas, mais putain, j'ai la gueule, mon gars, un air de bœuf. Il me dit, tout ce qui bouge, je tire encore. Bon, il bande, la gueule. Voilà, il bande. Bon. Et juste en même temps, il y avait la bonne femme, elle avait 69 ans, elle était à 2 mois sans fumer. Moi, j'ai ma théorie de je choisis mon cancer, je crèverai du larynx, c'est normal, parce que je le sais. Comme au théâtre, oh, j'ai un furoncle Benz, quoi. Le riz qui ne colle jamais, si, si. Il colle là. Nicolas. Bon, bref. Donc, pour cette deuxième partie du dimanche, c'est maintenant le 13h, le vrai 13h. À l'instant où je vous parle, à 2 minutes près, comme ça. Et ben, il y a une course de vieilles voitures pas loin, où il y a une expo ou quoi. J'ai vu des bagnoles, oh, avant la 4 chevaux, avant la, je sais pas, la 204, avant tout ça, tu sais. Avant la ronde, avant le... Ouais, vraiment, c'est un bon dimanche. Tout est divin depuis le Vendredi Saint, mais vous voulez pas comprendre. Numérisé, formatable, numérisable, une sous-couche de merde. Nous, on avait trouvé qu'il fallait recouvrir la surface de la Terre d'une fine couche de Rigol Rock. C'est pour ça que mon premier était éternel. Hein. En fait, c'est Rigol Rock. Ça a 10 ans. 10 ans que je vous dis d'arrêter de faire de la merde sur Terre. Et 10 ans que vous êtes toujours aussi cons. C'est grave quand même. Allô réveil, allô papa, allô maman. Maman c'est l'eau, papa c'est la terre. Je fais un lien tertiel. Mais toi, comme je disais à mon patron, d'ailleurs j'ai fait un rêve ce matin, il fallait que je repeigne le couloir pour l'ancien patron, c'était Michel Gravelot. Lui c'était un bon. Du Doignon c'est des cons. Et Benoît il disait, mais non, faut pas dire que c'est du blague. Mais l'État, espèce de con. À la 89-10, il y avait des enveloppes de blagues, ça montait jusqu'au plafond. Alors, elle se fait enculer, formaté de merde. Oh, maintenant tu te réveilles.